Je le savais déjà. Ce ne sera pas long. Que le vaisseau soit ravitaillé et paré au décollage à mon retour. Pas de problème. Vos amis du Conseil sont aux petits soins avec nous en général. Mais je n'en dirai pas autant de nos six sympathiques alliés de la République. Cela, je les tiendrai à l'œil. Dark Imperius ? Capitaine ? Darkmar vous attend sur la passerelle. Vous vous souvenez du chemin, je pense. Il était trop pris par sa méditation pour m'accueillir en personne. Je suis certaine que Monseigneur sera flatté par votre empressement à le voir. Ce sera tout. Bienvenue à bord. J'ai bien reçu votre message. Et maintenant que je suis ici, je le ressens aussi. Chaque seconde qui passe nous rapproche de lui, de notre ancien empereur. Plus vite nous l'aurons éliminé, mieux ça vaudra. Voilà déjà trop longtemps qu'il nous empêche de nous accomplir. Je suis d'accord. Que fait-il ici? Pourquoi a-t-il absorbé toute vie sur Zeost, puis détalé jusqu'aux confins de l'espace sauvage? Le pouvoir l'a rendu fou. Son comportement est irrationnel. Vous avez peut-être raison. À nous deux, je suis sûr que nous pouvons persuader le Conseil Noir de prendre position. Mais je commence à douter que la République souhaite réellement apporter sa contribution. Son aide s'est avérée utile, mais relativement limitée. Ce sont nos ennemis. Ils le seront toujours. On ne devrait même pas les impliquer autant. Face à pareille menace, toutes les formes de vie doivent s'allier. Nous reprendrons les hostilités plus tard. Excellence, contact repéré à 15 km. C'est petit, aucune forme de vie détectée, une sonde peut-être. Les relevés sont identiques à ceux de la force inconnue qui a attaqué Corriban. Activez les boucliers, lancez la poursuite et détruisez-la! Prudence, Mar. C'est peut-être une embuscade. Ça en deviendra une si nous laissons cette sonde repartir. Manœuvres évasives. Virez de bord à 180 degrés. Nous sommes abordés. L'ennemi a pris tous les ponts d'assaut. Je me charge des assaillants. Quant à vous, sortez-nous de là. Activez les déflecteurs arrière. Dérivez l'alimentation des canons vers les moteurs. Fermez cette porte blindée! Le bouclier ne tiendra plus très longtemps. On ne peut pas les laisser tomber. Nous devons les aider. Nous devons tenir cette position. Ils ont leurs ordres, nous avons les nôtres. Ah !
Fermez les portes blindées. Nous devons arrêter les droïdes ici. Pardonnez-moi. Vous allez le faire. Laissez votre colère vous guider. Défendez la passerelle. Tout de suite! On a des ennuis, Sith. Des droïdes ont mitraillé le sas. Impossible de faire lâcher prise au bras d'amarrage. Je me mets en route, Andronikos. Il ne reste plus qu'à choisir quel vaisseau viser parmi les quelques millions qui sont là. Faites ce que vous pourrez pour nous couvrir. Nous aurons besoin de toute l'aide possible. Il est temps que ces ordures comprennent à qui elles ont affaire. L'ennemi a investi le pont des machines. Ils en ont après le générateur principal. Je me rends sur place, retrouvez-moi là-bas. Elle est sécurisée, mais sans alimentation principale, nous serons détruits en quelques secondes. Ne perdons plus de temps, alors. Le noyau énergétique est saturé. On peut recharger les boucliers, mais ils ne tiendront pas longtemps. L'hyperpropulseur est complètement grillé. Ennemis sur la passerelle. Je répète, ennemis sur la... Il existe une commande auxiliaire rudimentaire, mais les vaisseaux ennemis nous encerclent. Nous n'avons guère d'options. Alors nous en emporterons un maximum avec nous dans la tombe. Je suis d'accord. Vous êtes réveillé. Je gage que vous pouvez marcher. Retirez-moi ces menottes, et je vous montrerai de quoi je suis capable exactement. Vous vous trouvez au cœur de notre empire. Croyez-moi, même si vous parveniez à m'abattre, vous ne pourriez pas vous échapper. Venez. Thank you.
l'Empire venons-nous d'entrer? L'Empire éternel. Zakel. Vous ignoriez donc tout du territoire que vous comptiez envahir? Certains avant-postes proches ont été détruits récemment. C'est votre œuvre? Nous avons mis votre force à l'épreuve. Et vous n'en êtes pas ressorti indemne. Vous êtes mal placé pour vous vanter. Prince Arcane, la dernière séquence d'amarrage a été lancée. Nous avons récupéré les archives de votre vaisseau. Du moins, ce qu'il en restait. C'est fascinant. Vous autres sites êtes remarquables. Vous plus que tout autre. Altérez ainsi les événements à l'échelle galactique. C'est impressionnant. Inutile de vous émerveiller sur mes actions passées. Pensez plutôt à ce que je vais vous faire. Oui. Nous saurons bientôt de quoi vous êtes réellement capable. Prince Arcane. Escal, vous attendez toujours la catastrophe que vous et vos descendants avez prédite? Vous pouvez faire la sourde oreille au murmure du destin, mon prince, mais on ne peut les réduire au silence. Je me demande si votre silence suffirait. Emportez vos superstitions ailleurs, Escal. Nous n'avons pas besoin de vous ici. Votre ami essayait simplement de vous avertir. Nous avoir fait venir ici n'augure pas du meilleur pour vous. Des inepties répétées n'en deviennent pas des vérités pour autant. Est-ce pour cela que vous nous avez fait venir? Pour vous entendre vous prendre le bec avec des prophètes? Venez. Vous nous conduisez à votre maître. Je vous conduis à mon père, Valkorion. L'empereur immortel de Zakel. Un empereur. Voilà justement ce que nous cherchions. Vous ne trouverez pas ce que vous cherchiez ici. Sa glorieuse majesté, le maître immortel et protecteur de Zakel, l'empereur Valkorion. Bienvenue. Un nouveau nom, un nouveau visage. Mais il en faut plus pour nous échapper. L'empereur Sith, votre aura est reconnaissable entre toutes. Oh, une erreur a bien été commise. Mais par qui? Cette chose que vous appelez empereur n'est qu'un meurtrier. Il vous tuera tous pour perpétuer sa prétendue immortalité. Il l'a déjà fait. Votre silence perpétuel au cours de notre histoire, c'était cela que vous étiez occupé? C'était mon objectif. Le reste n'était qu'un moyen de parvenir à mes fins. Vous dites que vous avez fait tout ce chemin pour me trouver. Me voici. Que voulez-vous? Vous annihilez une bonne fois pour toutes. Vous prétendez me connaître. Dans ce cas, vous connaissez l'étendue de mes pouvoirs.
quels qu'aient été vos espoirs en venant ici, en votre fort intérieur, vous savez que c'est peine perdue. Mais vous n'êtes pas obligé de m'affronter. Vous pouvez vous prosterner. Plus jamais je ne me prosternerai devant vous. Vous préférez mourir plutôt que de reconnaître ma supériorité. C'est vous qui craignez la mort, Valkorion, pas moi. Je ne me prosternerai pas. Sortez de cette pièce! Tout le monde dehors! Vous avez déjà fait d'innombrables victimes. Vous croyez que celle-ci va entamer ma détermination? Non. Vous êtes différente. Au cours de ma longue vie, vous seule avez mérité toute mon attention. Tout comme moi, vous laissez votre empreinte sur la galaxie, partout où vous allez. Regardez autour de vous. Zakel est sur le point de devenir la plus grande civilisation de toute l'histoire de la galaxie. J'ai forgé cet empire pour qu'il supplante toutes mes précédentes créations. Il durera l'éternité. Le trône éternel commande la plus grande flotte jamais créée. Il est suffisamment puissant pour remodeler la galaxie à mon image. À notre image. Je partagerai tout cela avec vous, si vous vous prosternez. Votre puissance est indéniable. J'en ai fait l'expérience. Si nous unissions nos forces, rien ne pourrait nous arrêter. Je suis prête. Vous avez de la chance, étrangère. Je me suis battu pendant des années. J'ai tout sacrifié, y compris la vie de mon frère, dans l'espoir de recevoir une telle invitation. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. En échange, je ferai ce que je peux faire. Vous avez commis votre dernière erreur, père. Le temps nous le dira. L'étrangère a assassiné notre empereur. Emmenez-la. Peuple de Zakel, l'impensable s'est produit. Valkorion, notre empereur bien-aimé,
a été assassiné par une étrangère. Dans une tentative pour ébranler notre glorieuse société. La meurtrière recevra rapidement son juste châtiment. Et cette agression gratuite ne restera pas sans réponse. En tant que nouvel empereur, je vous promets ceci. Les ennemis de Zakel découvriront la puissance du trône éternel. Ils devront répondre de leur comportement belliqueux. Et les mondes du noyau brûleront jusqu'au dernier.